que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Quoi? De quoi tu parles? Où se trouve la pierre ici? On ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que le péché est en nous. Est en nous. Et si on a cliqué sur ta vidéo, c'est parce qu'on va entendre ce que tu as nous dit. Puisque tu parles des péchés, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Nous sommes bel et bien sûrs. Nyans Ribbon. Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyans Ribbon. Aujourd'hui, nous sommes chauds sur la première vidéo. C'était un peu. Et aujourd'hui, nous allons tout simplement toucher tous les pécheurs. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour ceux qui sont propres, pour ceux qui sont bien habillés, pour ceux qui sont beaux. Il est venu pour ceux qui sont des pécheurs, pour ceux qui sont rejetés. C'est pourquoi nous sommes là aussi, parce que c'est notre travail. Qui est pécheur ici? Je suppose que si vous êtes pécheur, ou encore, je suppose que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes vraiment, vous reconnaissez que vous êtes un pécheur. C'est ça même le but de ce jeu-là, de ce jeu qui va vous sauver la vie. Mes frères et sœurs, bienvenue encore et nous sommes sur Nyans Ribbon. Si vous êtes nouveau, c'est que vous n'êtes pas encore abonné. Et en dessous de cette vidéo, c'est tout s'abonner. Cliquez là-dessus, activez la cloche pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous parlons entre nous. Nous tous, les pécheurs, on se regarde dans les yeux et on se parle. C'est le but de cette vidéo. Si vous êtes pécheur, cliquez sur cette vidéo. Ah, mes frères et sœurs, ici, on va causer. Mes frères et sœurs, c'est quoi le péché? Le péché, selon la parole de Dieu, c'est ce que Dieu ne veut pas. Voilà. Quelque chose qui est interdit, mais pratiqué par les humains. Quand l'homme enfreint à la règle de Dieu ou aux règles de Dieu, il pêche. Par exemple, Dieu dit de ne pas mentir. Mais quand tu mens, on dit quoi? Tu es en train de pécher. Même la justice même va te dire, ah mon frère, c'est pas normal ce que tu fais, c'est pas bien. Comme tu as volé ou bien tu as menti, voici ta peine. Est-ce que c'est pas ça? C'est ça. Ça veut dire que derrière un péché, il y a une peine. On doit t'attribuer quand même ta peine. Mais ton péché secret là, personne ne voit. Et toi-même, tu sais. C'est pourquoi nous sommes là. Donc le péché, c'est cette chose-là qui se trouve en nous, qui est mauvais, que Dieu déteste. Et si nous avons dit que tous ceux qui sont pécheurs cliquent sur cette vidéo, c'est parce que nous voulons vous dire que l'heure est venue pour vous d'apprendre à changer de vie, à changer votre voie et à ne plus être pécheur. Nous tous aujourd'hui, nous allons apprendre toutes ces choses. Mais avant, nous devons découvrir c'est quoi le péché dans toutes ces dimensions. Allons-y plus loin. Aujourd'hui, le péché est l'œuvre ou encore est devenu l'affaire du diable et ses démons. En fait, le diable et ses démons se cachent derrière les péchés et ils poussent les humains à enfreindre la loi divine. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr que oui. Et à cause de ces démons-là, ou encore à cause du diable, c'est devenu difficile pour tout le monde de ne pas pécher. Oui, vrai ou faux? Bien sûr que oui. C'est pourquoi nous sommes là de toute la façon. Et ça fait que le diable, il opère dans toutes les dimensions pour pouvoir pousser les humains à pécher. Quel est l'élément le plus utilisé dans notre temps par le diable pour conduire les humains au péché? C'est quel élément le plus utilisé? Là, je parle de l'élément que même un chrétien utilise, même un homme, quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa vie. C'est quoi? Nous sommes tous d'accord pour dire que l'élément, c'est la séduction. Et l'instrument, c'est la pornographie. Encore! Bien sûr que oui, on ne cessera jamais de parler de ce genre de choses. Et c'est vrai!
Les gens regardent des films pornographiques sans savoir que c'est un péché. En plus, ils veulent se masturber. Ils veulent se faire plaisir. Sans savoir que c'est un péché. Même quand tu vas lui dire, mon frère, est-ce que tu sais que la masturbation c'est un péché? Il va te dire, comment est-ce que me faire plaisir là, ça, c'est un péché? Est-ce que Dieu il n'a pas dit à sa parole qu'il veut me voir heureux? Mais si je me masturbe et que je me fais plaisir là, et que moi je me sens bien dans mon corps là, est-ce qu'il n'est pas content? Mais est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé de faire? Est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé de faire? Si Dieu t'a pas demandé de faire un truc, ne le fais pas tout simplement. Ne le fais pas. Sinon, tu vas subir la conséquence de tes actes. Donc la masturbation ici devient un péché. Les films pornographiques. Aujourd'hui là, il y a la séduction partout. Tu passes ici, tu vois les faces des femmes. Tu passes là-bas, tu vois les seins des femmes. Partout où tu vas, tu vois le diable. Le diable incarné en des personnes qui se mettent nues, qui s'habillent nues. Quand dit ça, les gens s'habillent nus là, c'est quoi? Quand les gens s'habillent de façon sexy là, c'est quoi? C'est nu, mais. Toi, mais tu passes là, quand la fille passe, est-ce que tu tournes pas tes regards? Tu tournes pas tes yeux pour regarder encore s'il y a quelque chose comme ça? Quelque chose derrière? C'est pas ce que tu fais? Oui, nous tous on fait ça. Et tous les pêcheurs qui sont ici aujourd'hui, qui regardent même cette vidéo, ils savent que, effectivement, c'est un problème pour eux. Mon frère, ça c'est un premier péché. Maintenant, il y a un autre péché encore qui vient. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Ouh! Les gens sont là. Money, money, money. The time is money. Money, 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 money. The time is money. Money, 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 the time is money. C'était sa chanson, hein? Money, 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 the time is money. Money. Et lui, il passe tout son temps à chercher l'argent. Quand tu viens de parler de Dieu, il dit money, 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 the time is money. Money, 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 the time is money. Money. What? Le temps, c'est de l'argent. Lui, il n'a pas le temps pour Dieu. Lui, il doit chercher l'argent. Hein? Si tu mets l'argent devant, tu donnes une certaine priorité à l'argent, puisque Dieu, ça va mal tourner, hein? Parce que ce sera le diable que tu seras en train d'adorer, parce que le diable aujourd'hui, là, il a positionné sa marque sur l'argent. Quelqu'un même a dit que le S qui se trouve sur le B de 1 dollar, le S barré, là, ça signifie Satan lui-même, Lucifer. Oh, le temps, the time is money. Est-ce que le temps ne voulait pas money? Est-ce que le temps, là, c'est pas de l'argent? Les gens courent après l'argent comme ça. Ils courent. Sans savoir qu'au fur et à mesure qu'ils courent après les richesses de ce monde, ils oublient Dieu. Ils s'éloignent de Dieu. Ils s'en éloignent carrément à cause de l'or et l'argent. Parfois, pour de l'argent, là, les gens disent qu'ils sont prêts à tout, même vendre leur âme au diable. Quelqu'un qui dit qu'il est prêt à tout, même vendre son âme au diable, là, dans sa bouche, il a commencé à pécher, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Et ce qu'il dit là, à un moment donné là, c'est ce qu'il va faire. Parce que ce que vous dites de votre bouche, c'est ce qui va s'exécuter. En plus, il y a des démons qui sont là pour voir ce que ça s'accomplisse. Et cet homme va plus tard se retrouver dans une secte pour voir son âme au diable. Et commencer à commettre des crimes bizarres, sacrifiés par des gens. Et même peut sacrifier sa mère ou bien son père, un membre de sa famille. Ça, c'est quoi? C'est un péché. Cette vidéo est strictement réservée aux personnes qui sont pécheurs. C'est pourquoi nous allons causer ici en nous, pour que Dieu nous aide. Hey! Hey! Mes frères et sœurs, ce qui est vraiment étrange, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes tombent sur cet effet. Vitamise money. On oublie Dieu. Ah, Dieu nous dit qu'il faut le chercher en premier lieu avant de chercher l'argent. Si tu as trouvé Dieu, c'est que tu as trouvé l'argent. Sinon, si tu trouves l'argent avant Dieu, ça sera le diable que tu vas trouver. Ça sera un grand péché. Et ton amour de l'argent là, risque de te faire amener ou de t'emmener en enfer un jour. Mes frères et sœurs, quelle est la troisième chose
De toute façon, vous avez dit à l'introduction, c'est la séduction, le sexe. Premier élément, l'argent. Deuxième élément, le sexe. Les gens aiment les plaisirs de ce monde plus que Dieu. Ils préfèrent aller en boîte plus qu'aller à l'église. Ce faisant, il est en train de pécher. Et ça, c'est mauvais. Est-ce que c'est bon? Tu ne veux pas aller à l'église? Tu aimes le plaisir plus que Dieu. Les gens aiment le show, les boîtes de nuit, les amis, les filles, les copines. Oh, ma copine, aujourd'hui, c'est joli, hein? Allons en boîte de nuit pour se mettre bien là. Nous sommes chauds. De toute façon, nous sommes jeunes. Hein? On lui parle de Dieu, il a dit, oh, tu sais, le Seigneur Jésus-Christ, il y a l'hôtel, devait venir, mais il y a l'impression qu'il a bloqué le deuxième ciel. Mais qui le retient au deuxième ciel? Oh, peut-être qu'il a été négocié avec les démons avant de descendre. Hein? Aujourd'hui, les gens préfèrent le plaisir plus que Dieu. Les gens préfèrent s'amuser. Ils préfèrent faire les loisirs, regarder les matchs de football le dimanche, plutôt qu'aller à l'église pour honorer Dieu. Il a oublié que Dieu a un seul jour. Et ce jour-là, il doit l'honorer. Même il utilise la dîme de Dieu, la part de Dieu l'argent qu'il a eu là. Pour faire quoi? Pour donner à ses copines. Tu prends la dîme de Dieu pour donner à tes copines. C'est l'argent de Dieu que tu prends pour donner à ta copine. C'est un péché. Un grand péché. Et les humains transportent un grand péché avec eux. Et ils ne savent même pas. Ils ne le savent pas. Et ils sont là toujours, le plaisir. Et tu vas le voir. Où tu vas la voir? Elle a plusieurs copains. Elle a commencé à avoir des copains à 21 ans. Avant ses 30 ans, elle a déjà eu 30 copains dans sa vie. Parce que chaque année, elle a eu des copains. De toute façon, chaque année, peut-être 2, 3, 5 copains. Et elle se retrouve brisée à 30 ans. Plus rien. Elle est vide. Qui va te marier? Ton péché t'a conduit à des problèmes. On parle de l'avortement. Le garçon, l'homme, il a plusieurs copines. Il a plusieurs copines comme ça. Et il a traité des rapports sexuels avec toutes ses copines. Et ce qui est étrange, c'est qu'il vit encore chez ses parents. Et bizarrement, ses copines sont enceintes. Et chaque copine vient maintenant chez son père. Bonjour monsieur, ton fils m'a enceinté. Bonjour monsieur, deuxième personne vient. Bonjour monsieur, ton fils m'a enceinté. Troisième, bonjour monsieur, ton fils m'a encore enceinté. Comme le fils qui est parti là-bas, là, il m'a aussi enceinté. Ça veut dire qu'en un an, cet homme, il a enceinté 5 filles, par exemple. Il va avoir 5 bébés. Et c'est son père qui doit s'en occuper. Eh ben, what? Money, 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 man, what? Mais frère et soeur, c'est ça la conséquence du péché. Nous sommes là pour vous dire que si vous suivez le péché ou le diable, hey, il y aura des conséquences. Des conséquences. Et on parle maintenant de la drogue. Troisième élément. Premier élément, l'argent, l'amour de l'argent. Deuxième élément, l'amour du plaisir ou encore du sexe. Et troisième élément, quoi? La drogue. Les gens ont besoin de sensations fortes. Les gens veulent montrer à tout le monde qu'ils sont forts. Ils se tatouent ou se font tatouer. Ils boivent beaucoup. En plus, ils prennent de la drogue. Ils prennent n'importe quel type de drogue. Ils prennent tout ce qui leur passe par la tête. Et aujourd'hui, ils prennent de la drogue et puis ils disent, aïe, 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 j'ai l'impression que je viens de prendre ma dose. Le second jour, il monte à une autre dimension. Il change de drogue, comme un chien de voiture. Et il dit, aujourd'hui, je sens que je suis en train de monter dans une autre dimension. Sans savoir que c'est un péché. Et devant là, il y a l'overdose. La mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Ah, on n'est pas au courant. Bon, mon frère, de toute façon, nous sommes des pécheurs ici. Le salaire du péché, mes frères et sœurs, c'est la mort. Ça veut dire que derrière c'est le péché se trouve non seulement des démons, et ce sont ces démons-là qui vont vous conduire où? À la mort. Eux-mêmes vont venir après pour vous dire,
Que ne sais-tu pas que le salaire du péché, c'est la mort? N'as-tu pas lu dans la parole de Dieu que le salaire du péché, là, c'est la mort et que le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ? Ah! Tu sors avec les amis. Bonjour mes potes, c'est comment? Aujourd'hui, je suis chaud. Est-ce que vous n'avez pas quelque chose de meilleur à me proposer? J'ai besoin de sensations fortes. Est-ce que vous ne pouvez pas m'aider aujourd'hui? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne me dites pas que vous n'avez pas telle dose de drogue. Mes frères et sœurs. Depuis que ce dernier a commencé à toucher à la drogue, à l'alcool, il est devenu violent. On ne le reconnaît même plus. Personne ne sait ce qui se passe dans sa tête. Il est bizarre. Et tu vas voir que cet homme va subir une forte dépression. Il va plus avoir le contrôle de lui. Ils vont même le renvoyer du boulot. Et s'il est marié, il va frapper sa femme, frapper ses enfants. Les enfants vont grandir dans de mauvaises conditions. Et ils vont engrainer, c'est-à-dire ils vont accumuler la haine dans leur cœur contre leur père. Et chercher aussi à se venger. Mais s'ils ne font pas attention, ils vont suivre les traces de leur père. Parce que ce dernier passait tout son temps à pécher. Et son péché préféré, c'était la drogue, ou encore l'alcool, ou encore les sensations fortes, le plaisir de ce monde, l'amour de l'argent. Cet homme, il aime tellement l'argent qu'il n'a même plus le temps pour sa famille. Cet homme aime tellement les femmes qu'il n'est plus fidèle. Cet homme aime tellement les drogues, les stupéfiants, qu'il ne peut même plus se contrôler. Aujourd'hui, il est livré à lui-même. Il fait tout pour ne plus poursuivre l'argent. Il ne peut plus. Parce que le démon, maman, parce que c'est un démon qui est derrière, c'est le démon, on l'appelle le démon argent. Derrière l'argent, il y a un démon qui est là. Si vous aimez l'argent, un démon vient s'installer, on vous l'a dit. Waouh! Et ce démon maman là, qui va venir s'installer dans votre cœur là, il va vous maintenir en esclavage. Le fait que vous ayez aimé l'argent, ça vous rend esclave. Parce que vous ne cesserez de poursuivre l'argent. Vous aurez toujours le sentiment que vous n'avez rien. Même si vous avez 1 milliard d'euros, vous allez dire, ça là c'est pour laver, mais c'est pour essuyer mes chaussures. Ça là c'est pour me brosser avec. 1 milliard d'euros c'est quoi? Ce n'est rien. C'est pour manger de la loco. Ou bien c'est pour acheter du hamburger. Mais moi, je le suis le quoi? Il n'est pas fatigué de chercher l'argent au point où il ne reste plus à la maison. Et il sort seulement. Sa femme dit, ah, mais chérie, je t'aime. Est-ce que tu sais que je t'aime même? Il dit, je le savais. Moi, aujourd'hui, là, il y a une nouvelle copine qui m'aime plus que toi. C'est quoi? C'est l'argent. Sa nouvelle copine, c'est l'argent. What? Il reste plus avec ses enfants. Et ses enfants n'ont pas un modèle à suivre. Ils ne savent même plus qui ils vont suivre. Le papa n'est pas là pour leur dire, voici comment il faut se comporter. Parce que le garçon qui est là, votre enfant, il a besoin d'avoir un modèle. Et c'est vous, il a besoin de vous. Il a besoin de votre présence. Et vous, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Vous poursuivez l'argent. Vous venez à la maison, vous faites un jour, deux jours. Le troisième jour, vous êtes parti pour un mois. 2 mois, 3 mois, en bateau. Il travaille en bateau. Maman obligée de dire aux enfants, oh les enfants, papa est en train de vous préparer votre avenir. Sans savoir que le père est en train de poursuivre l'amour de l'argent. Poursuivre un démon. Ça le mettait en esclavage. Il n'a même plus le temps même pour Dieu. Comment il va avoir le temps pour ses enfants ou encore sa famille? Et voici ce qui se passe. C'est devenu un péché. Parce qu'un démon est derrière. Mes frères et sœurs, nous avons pris seulement 3 dimensions aujourd'hui. Le sexe, la drogue et l'argent. Sexe, drogue, argent. Sexe, drogue, argent. Ça fait combien de choses? 3 choses seulement, c'est pas beaucoup. Il y en a plein. Voici les 3 choses qui maintiennent le monde entier dans le péché. Oui! C'est la base. Sexe, encore, reprenons. Dis avec moi. Sexe,
drogue, argent. Nous devons combattre ces choses. Et la meilleure façon de combattre ces choses, c'est de découvrir tout ce qui se passe à l'intérieur, quel est le danger. Et ici, on vous l'a dit. Maintenant, vous devez apprendre à dominer tous ces esprits qui se trouvent derrière le sexe, la drogue et l'argent. Une fois que vous avez réussi à le faire, vous n'êtes plus sur la mauvaise voie. Ou du moins, vous apprenez à marcher maintenant sur une nouvelle voie avec une nouveauté de vie. Pour cela, on a besoin d'aide. On a besoin de Dieu pour nous aider, de Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que lui qui peut le faire, mes frères et sœurs. Je sais de quoi je vous parle. Faites cette prière avec nous. Nous sommes tous pécheurs. Nous allons dire à Dieu que nous sommes effectivement pécheurs et qu'il nous aide. Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, nous sommes pécheurs, pardonne-nous. Nous voulons marcher avec toi. S'il te plaît, marche avec nous. Continue-nous. Pardonne-nous nos péchés. Purifie-nous. Et que toi-même, tu sois toujours là pour nous garder maintenant. Nous voulons apprendre à laisser abandonner toutes ces trois choses. Et même plus que ça, aide-nous, Seigneur. Donne-nous les moyens, donne-nous les idées de pouvoir fuir le péché. Un homme était alcoolique. Il se droguait aussi. Mais quand il a rencontré Jésus-Christ, il s'est mis à lire la parole de Dieu pour chercher à savoir, pour avoir même avoir beaucoup d'informations sur lui. Et au fur et à mesure qu'il lisait la parole de Dieu, le diable venait et lui disait, « Va boire, c'est chic. De toutes les façons, les filles t'attendent aussi. Tu peux te faire plaisir. Tu peux aussi avoir de l'argent. » C'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus-Christ est venu lui parler à l'oreille pour lui dire, « Lis la parole de Dieu à chaque fois que de tels sentiments viendront en toi. » Mes frères et sœurs, dès que vous sentez le besoin de chercher les femmes ou de boire ou faire autre chose qui ne glorifie pas Dieu, priez, lisez la parole de Dieu et faites 3 jours de jeûne, un jeûne, en tout cas observez un moment de jeûne. C'est important parce qu'il y a certains démons-là pour pouvoir vous fuir, il faut jeûner. Ah, mes frères et sœurs, que Dieu nous aide aujourd'hui. Et vous devez savoir que le péché, c'est un démon, on vous l'a dit. Un démon ne meurt pas. Il va venir à chaque fois pour essayer de vous faire rechuter. Mais, si Dieu est avec vous, vous pouvez renverser tout et me faire des espoirs. Mes frères et sœurs, commencez à prier. Si vous avez baissé dans la vie de prière, c'est le moment de vous lever. Parce que Dieu veut vous aider. Dieu veut nous aider aujourd'hui. Nous tous sommes pécheurs et on a besoin d'aide. Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, aide-nous. Ne manquez pas la prochaine vidéo. Et regardez la vidéo précédente. Pour découvrir des choses qui vont même vous aider sur ce chemin-là. Vous pouvez même lire la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, vous allez découvrir des choses qui vont vous aider. C'est très important. Le péché mène en enfer. Mais aujourd'hui, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui a versé son sang à la croix, est devenu quoi? Une solution pour nous, les pécheurs. Oui, pour nous tous les pécheurs. Aujourd'hui, Dieu nous accepte dans sa maison. Abandonnons donc notre ancienne vie et revenons à Dieu qui fera de nous de nouvelles personnes, de nouvelles créatures. Est-ce que c'est beau? C'est extraordinaire. Ne faites pas comme un porc. Le porc, lui, quand vous finissez de le laver, il retourne dans le sable encore ou encore dans la boue pour tourner. Non, ne soyez pas des chrétiens qui choisissent le beau chemin après qu'ils rechutent. Tu vois, le gars, il se masturbe aujourd'hui. Demain, il demande pardon à Dieu. Il se masturbe encore. Il demande encore pardon à Dieu. Il se masturbe. Il demande pardon à Dieu. Oh, Seigneur, je me suis masturbé. Pardonne-moi. Seigneur, j'ai fait un péché. Pardonne-moi. Eh, comment je suis même? Pardonne-moi. Même l'homme de Dieu, il a des problèmes. Il ne sait même pas comment faire. On vous a dit que le péché que vous transportez là, c'est une personne. Et cette personne-là, c'est un démon. Et quand cette personne-là vient là, parfois vous êtes faible. C'est pourquoi vous avez besoin de Dieu dans votre vie. Vous avez besoin d'être fort. Vous avez besoin de la parole de Dieu en vous. De sorte que quand vous devenez faible, la parole de Dieu qui est en vous là, puisse être cette force-là qui va vous permettre de résister à la tentation. Et ayez la foi. Ayez l'amour de Dieu. Parce que quand on a l'amour de Jésus, on aime Dieu de tout son cœur, de tout son âme, de tout son esprit, on ne peut pas le tromper. C'est comme vous. Vous aimez une femme tellement que vous vous refusez sur tous les plans de la tromper.
Vous aimez tellement un homme que vous lui êtes fidèle jusqu'à mort. Bon, à vie. Il n'y a pas la mort ici, à la vie. Vous lui êtes fidèle jusqu'à vie. Oui. C'est de ça que nous sommes en train de parler ici. Mes frères et sœurs, nous devons être durs. Nous devons être durs gars, des durs hommes. L'argent là, qui n'a pas besoin d'argent? Nous tous on a besoin de sous. On a besoin de beaucoup d'argent. Mais quand tu vois que ça devient une obsession, tu as un milliard, tu ne peux même pas te contenter de ça, c'est qu'il y a des démons qui sont là. En fait, tu dois donner la priorité à Dieu. Si tu mets Dieu devant et que tu cours après l'argent, au moins tu as Dieu. Dieu sera là pour te sauver. Mais si tu n'as pas Dieu et que tu abandonnes Dieu pour courir après l'argent, tu es dans les problèmes. C'est de ça que nous sommes en train de parler aussi. On ne dit pas arrêter de travailler. On ne dit pas arrêter de faire des trucs. Ah, vois l'argent comme un instrument. Est-ce que ta montre qu'elle est là, tu peux mettre ta montre au devant de Dieu? Jean t'a dit, ma montre, tu es jolie. Et puis tu as dit, Seigneur mon Dieu, tu es beau, mais moi je préfère ma montre. Jamais. Voilà la différence entre montre et l'argent. C'est la même histoire. Vois la chose comme ça et tu vas voir que les choses vont changer dans ta vie. Suis Dieu d'abord et laisse les choses. Le sexe, les femmes, tout ça là, tu as besoin d'une seule femme dans ta vie. Trouve-la et Dieu va t'aider à trouver la bonne femme. La drogue, tout ça, ça conduit à la mort. Combien de personnes meurent par overdose? Toi, mais regarde bien. Si tu as encore en vie, il faut bénir Dieu. L'éternel se dit, merci Seigneur Jésus-Christ de ce que je suis en vie. Que Dieu bénisse tes frères et sœurs. Préparez-vous pour la prochaine vidéo, c'est la première vidéo de ce jour. Pour nous soutenir, cliquez sur j'aime, cliquez sur abonnement pour l'activer. Cliquez sur la cloche pour le faire, pour l'activer également si ce n'est pas encore fait. Et aidez-nous à atteindre les 100 000 abonnés. Nous voulons vraiment atteindre les 100 000 abonnés. C'est un nouvel objectif. Nous voulons gagner des âmes. Nous sommes pécheurs, non? C'est pourquoi nous étions pécheurs, c'est pourquoi nous avons cliqué sur cette vidéo. Moi, aujourd'hui, nous sommes devenus une nouvelle créature. Marchons dans une nouvelle nouveauté de vie avec un autre esprit renouvelé. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs. Pour nous, c'est nouveau. Notre bonne. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs.